à faire très attention à cette équipe de Valenciennes qui a beaucoup d'arguments positifs sur le plan du jeu, surtout. Donc, on doit se méfier de cette équipe et à nous, justement, de retrouver le niveau qui a été le nôtre dans les derniers matchs à domicile et justement pour bousculer cette équipe de Valenciennes. Si on arrive justement à faire un résultat très positif, c'est-à-dire une victoire, je signe direct, peu importe le résultat. Oui, potentiellement, on a beaucoup de qualités. J'ai dit déjà sur le plan humain, mais aussi sur le plan sportif, au niveau des qualités de chacun. Chacun peut amener quelque chose dans ce groupe. On a vu aussi tout au long de ce début de saison des belles révélations, des joueurs qui n'avaient pas forcément encore connu ce niveau, des jeunes du centre qui sont en train d'émerger aussi. Donc chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est important pour le groupe, pour la progression du groupe. En tout cas, on veut être une équipe difficile à manœuvrer. C'est le premier point. Et après, quand on sait que quand on est difficile à manœuvrer, on est conscient qu'on a des forces offensives intéressantes et qu'on peut justement bousculer n'importe quelle équipe. Après, les intentions, il faut qu'elles soient là. Après, c'est le tout, c'est le plus dur, c'est de tout mettre en œuvre. Et ça, c'est avec beaucoup de travail, ça ne vient pas comme ça. Et comme je disais, aussi du temps, parce que faut pas oublier, même si ça se passe très bien, qu'on est une équipe aussi en reconstruction. Et on sait d'où on vient, on sait que c'est pas encore abouti et que faudra encore du temps pour justement trouver une régularité à ce niveau-là. Le club repart sur de nouvelles bases, donc c'est pour moi c'est j'ai senti vraiment un passage de témoin et on est en route vers un nouveau cycle, mais qui est vraiment plaisant et en tout cas qui a de belles promesses, je l'espère en tout cas. Mais c'est sûr que vu déjà comment c'est parti, c'est déjà quelque chose de très positif. Mais bon, faut être aussi prudent. Je suis assez mitigé. Voilà, c'est sûr que là, en ce moment, ça va très bien, mais faut faire preuve d'humilité, de prudence aussi, parce que on sait d'où on vient. Et faut faire preuve justement de beaucoup de force de caractère pour pouvoir poursuivre sur cette lancée.